La Lune, notre fidèle amie. Notre seul compagnon dans ce grand espace sombre et froid. Ce n'est pas surprenant que tous les événements qui lui sont associés, comme les éclipses solaires ou lunaires, nous passionnent. Mais qu'en est-il de la Lune noire, la Lune bleue, la Super Lune? En as-tu déjà entendu parler? Eh bien, laisse-moi tout te dire et t'expliquer comment tu peux les observer. Prépare tes calendriers. La distance entre la Terre et la Lune est de 384 472 km. Oui, j'ai mesuré. Ça ne semble pas si loin, n'est-ce pas? Mais crois-moi, la plupart des gens sous-estiment grandement cette distance. Savais-tu que toutes les planètes du système solaire, y compris Jupiter et Saturne, pourraient tenir entre la Lune et nous? Je n'arrivais pas à le croire moi-même. La Lune est liée à la Terre par sa position. C'est pourquoi elle est toujours tournée vers nous avec un seul côté. Il y a plusieurs phases dans un cycle lunaire. La nouvelle Lune est la première phase. Le Soleil éclaire la face cachée de notre satellite, nous ne pouvons donc pas voir la Lune. Elle est presque invisible dans le ciel. La Lune croissante est la partie claire qui grandit progressivement. La pleine Lune est la phase pendant laquelle le Soleil illumine complètement la face visible. La Lune descendante est un déclin progressif de la partie lumineuse. Et enfin arrive une autre nouvelle Lune. Et le cycle entier recommence. Il y a 29,5 jours dans un cycle lunaire. Donc cela prend environ un mois si on fait abstraction du mois de février. Mais pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Pour que tu puisses mieux comprendre la Lune noire. Un événement astronomique rare qui se produit une fois tous les 29 mois, soit 2 ans et demi. Ce terme n'existe pas en astronomie. Il a été inventé par les astrologues. Il n'est pas officiel et a plusieurs significations. La Lune noire peut signifier la deuxième nouvelle Lune dans un mois. Habituellement, il n'y a qu'une seule nouvelle Lune par mois. En avoir deux est donc un phénomène rare. Cela est dû à un léger décalage entre le cycle lunaire et le cycle annuel de la Terre. Un peu comme les années bissextiles. Lune noire peut aussi vouloir dire autre chose. Par exemple, habituellement, il n'y a que 3 nouvelles lunes par saison. En gros, une nouvelle lune toutes les 30 jours. Cependant, s'il y en a 4, la lune noire signifie la troisième. Il existe également des significations moins populaires. Par exemple, c'est ainsi que les gens appellent le mois de février quand il n'y a pas de nouvelle lune ou de pleine lune. Cela se produit environ une fois tous les 19 ans. Mais qu'est-ce que cela a de si spécial ? Le satellite est entièrement caché dans le ciel pendant une nouvelle lune normale. Mais pendant une lune noire, tu pourras voir sa silhouette sombre. Tu devras choisir un bon endroit sans lumière de la ville. Si tu habites dans une grande ville, tu auras du mal à la voir sans télescope. De plus, comme le ciel devient noir durant ce phénomène, tu pourras voir différentes constellations qui étaient cachées auparavant, ainsi que Jupiter et Vénus. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était le 30 avril 2022. Tu pouvais l'observer dans la plupart des régions des États-Unis, à l'exception des zones de l'heure du Pacifique, de l'Alaska ou d'Hawaï, à Aloha. Oui, malheureusement, si c'est la première fois que tu entends parler de la Lune noire, tu l'as déjà ratée. Tu devras maintenant attendre encore 2 ans et demi. La prochaine Lune noire aura lieu en septembre 2024 selon la méthode standard et le 19 mai 2023 selon la méthode saisonnière. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras toujours voir un autre événement astronomique. Il était une fois une lune bleue. Je ne me moque pas de toi, je suis sérieux. Tu peux toujours voir la lune bleue. Enfin, pas littéralement, bien sûr. La lune ne devient pas bleue. C'est juste ce que les astrologues appellent la deuxième pleine lune en un mois. Les lunes noires et bleues sont similaires par définition, mais elles sont en fait opposées. Si la lune noire est une deuxième nouvelle lune rare dans un mois, la lune bleue est une deuxième pleine lune rare. Elles se produisent aussi toutes les deux tous les 29 mois. Pas si rare, n'est-ce pas? Il est assez ironique que cet événement soit nommé la Lune bleue. Le folkloriste Philip Hitchcock suppose que le terme Lune bleue, dans sa version calendaire, a été inventé par l'almanach des fermiers du Maine en 1937. Un autre événement astronomique intéressant s'appelle la Super Lune. Fais le plein de télescopes et cherche des collines, car tu verras une Lune exceptionnellement brillante et grande, comme celle que l'on voit seulement dans les films. Que signifie exactement une Super Lune ? Tu vois, la Lune ne tourne pas autour de la Terre dans une orbite circulaire. Son orbite est elliptique. Et l'endroit où elle est le plus proche de la Terre est appelé périgée. Une superlune est un phénomène qui se produit lorsque la pleine Lune coïncide avec le périgée. Pour cette raison, elle nous semble particulièrement grande et brillante. Son diamètre est 14% plus grand et elle est 30% plus brillante que d'habitude. À ce propos, ce phénomène est souvent confondu avec l'illusion lunaire. Pendant l'illusion lunaire, la Lune est basse au-dessus de l'horizon et paraît visuellement plus grosse.
Sur les 12 ou 13 pleines lunes annuelles, 3 ou 4 sont des superlunes. Mais la plupart d'entre elles ne sont pas très significatives. Tu ne verras probablement pas de différence du tout. Les plus intéressantes sont les grandes et rares superlunes. Pendant celles-ci, la Lune devient réellement grande. La dernière grande superlune s'est produite en 2016. Malheureusement, les superlunes de grande envergure sont rares et se produisent environ une fois tous les 18 ans. La prochaine se produira seulement en 2034, mais nous pouvons observer des superlunes plus petites assez fréquemment. En 2022, elles auront lieu le 14 juin et le 16 juillet. Il existe aussi un phénomène opposé appelé microlune. Tu as probablement déjà deviné ce que cela signifie. Il se produit lorsque la pleine lune est à son point le plus éloigné de la Terre. Ce point est appelé apogée. La prochaine microlune, en 2022, a eu lieu le 29 juin. En 2023, nous pourrons l'observer le 7 janvier, le 5 février et le 16 août. Bien sûr, tu n'es pas obligé de suivre chacun de ces événements. La plupart des gens sont plus intéressés par des éclipses lunaires et solaires. D'ailleurs, fais-tu partie des personnes qui confondent ces deux événements ? Fais le test. Mets cette vidéo en pause. Décris ce que signifient ces deux éclipses. Comparons ta réponse avec la définition correcte. Tu es de retour ? Ok. Donc, une éclipse solaire est un phénomène où la Lune recouvre entièrement ou partiellement le Soleil. Une éclipse solaire est possible uniquement pendant la nouvelle Lune, lorsque la Lune elle-même n'est pas visible. Beaucoup de gens pensent que cet événement est incroyablement rare, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Une éclipse lunaire est un phénomène au cours duquel la Lune se trouve complètement ou partiellement dans l'ombre projetée par la Terre. L'éclipse lunaire peut seulement se produire pendant la pleine Lune, lorsque la Lune se trouve à proximité du nœud de son orbite. Si tu as deviné, bravo ! Sinon, ne t'inquiète pas, beaucoup de gens les confondent. En 2022, une éclipse solaire partielle aura lieu le 25 octobre. Elle sera visible en Europe, en Asie du Sud et de l'Ouest, en Afrique du Nord et de l'Est, et dans l'Atlantique. Comme je l'ai mentionné, une éclipse solaire totale n'est pas aussi rare que beaucoup de gens le pensent. Mais le problème est qu'elle n'est pas toujours visible depuis n'importe quelle partie de la planète. Donc si tu veux voir cet événement, assure-toi de consulter le calendrier et de voir depuis quelle partie de la Terre tu pourras le voir. Et n'oublie pas des lunettes spéciales. Les éclipses lunaires sont cependant beaucoup plus fréquentes. Les éclipses lunaires partielles se produisent presque tous les mois. Mais une éclipse lunaire totale aura lieu en 2022, dans la nuit du 7 au 8 novembre. Tu pourras la voir dans presque toutes les régions du monde, sauf en Afrique. J'ai entendu dire que les zèbres étaient carrément dégoûtés. La Lune est un satellite vraiment fascinant. Tu penses que c'est juste une petite boule de roche. Mais en réalité, il y a tellement d'événements intéressants qui lui sont liés. Quels événements lunaires rares as-tu vu ou veux-tu voir dans ta vie ? As-tu observé des événements astronomiques rares et fascinants ? N'hésite pas à les partager dans les commentaires. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu en veux une preuve ? Eh bien, 99,86% de toute la masse du système solaire correspond à la masse du Soleil. En particulier, l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants correspondent principalement à la masse des 8 planètes du système solaire. La Terre n'est peut-être pas la seule planète du système à avoir une activité tectonique. Les astronomes ont repéré des reliefs ressemblant à des falaises sur Mercure. Si c'est le cas, l'activité tectonique pourrait expliquer le rétrécissement rapide de la planète rouge. Dans la plupart des films de science-fiction sur l'espace, le personnage principal se retrouve dans une ceinture d'astéroïdes et doit s'efforcer d'éviter les innombrables rochers qui menacent d'endommager son vaisseau spatial. Désolé de te décevoir, mais cela n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette région, mais ils sont tellement espacés que les chances de collision sont quasi nulles. La vallée connue sous le nom de Valles Marineris, sur Mars, est plus de 10 fois plus grande que le Grand Canyon. Et c'est un énième sujet qui intrigue les astronomes. Car après tout, Mars n'est pas une planète avec une tectonique des plaques actives. À la surface de Jupiter se trouve une région bizarre qu'on appelle la Grande Tache Rouge. Récemment, les astronomes ont conclu que cette tache est en fait une tempête qui fait rage sur la planète depuis des siècles. Mais il y a environ 20 ans, les scientifiques ont remarqué que cette zone rouge avait commencé à rétrécir. Aujourd'hui, elle ne fait plus que la moitié de sa taille d'antan. Et pourtant, la tache est toujours une fois et demie plus grande que la Terre. En regardant les étoiles par la fenêtre de ta cuisine, tu te demandes : pourrais-tu envoyer une pizza dans l'espace ? Et plus important encore,
Pourrais-tu encore la manger si elle revenait? Ce sont des questions très importantes. Ok, concentrons-nous. Comment allons-nous envoyer cette pizza dans l'espace? Étant donné que la première navette spatiale de la NASA a coûté environ 49 milliards de dollars, ils ne nous permettront sans doute pas d'emprunter une fusée pour la journée, car ils ont peut-être des choses plus importantes à faire. Sans notre fusée, nous ne pourrons pas faire monter la pizza aussi haut ni voyager à une si grande vitesse. Ok, ils peuvent garder leur fusée. Nous avons à notre disposition un ballon météo qui nous permettra quand même de faire un tiers du chemin vers l'espace en nous amenant dans la zone connue sous le nom de limite de l'espace. Étant donné que l'atmosphère là-haut est très fine, environ 1% de la pression au niveau du sol, ce n'est clairement pas un si mauvais substitut de l'espace réel pour ce test. Pour être sûr de pouvoir retrouver la pizza une fois qu'elle aura atterri, nous lui avons attaché des émetteurs radio avant le lancement. Ceux-ci enverront un signal avec une position GPS au sol qui sera ensuite placée sur une carte pour que nous puissions la suivre, ce qui nous donnera une bonne idée de l'endroit où la pizza se trouvera. Vive la technologie ! Et juste comme ça, le moment est arrivé. Nous avons trouvé notre pizza intacte et après quelques moments de câlins passionnés et de caresses affectueuses, nous sommes prêts à en prendre une bouchée. Alors l'attente en valait-elle la peine ? Quel est le goût de la pizza ? Et peux-tu la manger ? Oui, tu peux, mais le goût ? Pas très bon en fait. Et nous avons oublié d'apporter notre micro-ondes. La croûte a été gelée à cause des températures extrêmement froides qu'elle a connues pendant son voyage. Et quand on dit gelé, même le centre de la pâte est glacé. Mais avant même de pouvoir le découvrir, nous remarquons que lorsque nous voulons arracher un morceau de la pizza, il ne se déchire pas comme d'habitude. Au contraire, il se détache comme si on venait de casser un morceau de brindille. On peut même entendre un craquement. Adieu, pâte chaude et moelleuse! Il vaudrait mieux garder ça pour le dessert au cas où tu manquerais de glace. À bien y réfléchir, jetons-la tout simplement à la poubelle. Malgré tout, c'est plutôt incroyable que nous ayons pu envoyer cette pizza au bord de l'espace et que nous ayons quand même fini par la manger, non? Nous savons tous que la Terre a une lune, mais il y a deux autres astéroïdes, 3753 Kryutnay et 2002 AA29, qui sont en rotation synchrone avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais suit une sorte d'orbite synchronisée avec la planète. C'est pourquoi on dirait qu'il suit la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il a sa propre trajectoire spécifique autour du Soleil. L'autre suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique rapproche cet astéroïde de nous tous les 95 ans. Pourquoi l'atmosphère de notre planète ne s'évapore-t-elle pas dans le vide de l'espace? Même si nous ne pouvons pas les voir, les molécules de gaz et de vapeur dont se compose notre atmosphère ont toute une masse. En tant que telles, toutes ces molécules ressentent l'attraction gravitationnelle de la Terre, tout comme nous. Elles pourraient s'échapper, c'est vrai, si elles avaient assez d'énergie. Par exemple, si notre planète était plus proche du Soleil, l'atmosphère serait plus chaude et ses molécules pourraient s'échapper plus facilement. Mais la Terre, heureusement, est juste à la bonne distance du Soleil et a exactement assez de masse pour que son atmosphère reste en place. Une étude récente affirme que la Lune a une queue. Et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme un foulard. Une queue fine, composée de millions d'atomes de sodium, suit le satellite naturel de la Terre. Et notre planète la traverse régulièrement, de part en part. Les collisions avec les météorites arrachent ces atomes de sodium de la surface de la Lune et les envoient plus loin dans l'espace. Pendant plusieurs jours, chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre récupère cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne dans une longue bande qui s'enroule autour de son atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, moins 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Mais pendant ces rares journées, les télescopes puissants peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. La queue ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Tu ne vas pas le croire, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Notre satellite naturel est aujourd'hui 35 mètres moins large qu'il ne l'était il y a des centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait aussi expliquer les séismes qui secouent sa surface. Il s'avère que beaucoup de planètes dans l'univers, et même dans la Voie lactée, ont de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se trouve dans notre système solaire. Il s'agit d'Europe,
l'une des lunes de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée, il y a un véritable océan d'eau. Mais il est trop tôt pour s'emballer au sujet d'une éventuelle vie sur de tels mondes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments qui doivent être réunis pour que la vie apparaisse sur une planète. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le tout premier tremblement de Mars. Ces séismes arrivaient rapidement, environ deux fois par jour, et la plupart d'entre eux étaient minuscules. Je ne les sentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 tremblements de Mars ont été détectés. Ce sont les premiers séismes sur un corps spatial autre que la Terre et la Lune. Un autre phénomène mystérieux découvert par la mission étaient des impulsions magnétiques bizarres. Elles se sont produites chaque jour à minuit autour de l'atterrisseur. On ne sait toujours pas ce que sont ces impulsions. Notre Lune pourrait receler beaucoup plus de poches d'eau que ce que les scientifiques pensaient. Sa surface présente ce qu'on appelle des pièges à froid. Ce sont des zones qui sont dans l'ombre en permanence. Si tu te tenais près de l'un des pôles de la Lune, en particulier le pôle sud, tu verrais de telles ombres partout. Il y a de minuscules pièges à froid, et il y en a des centaines beaucoup plus grands. Ces régions se trouvent dans une obscurité éternelle et pourraient même être restées sans le moindre rayon de soleil pendant des milliards d'années. Et aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'elles cachent bien plus de choses que ce que nous pensions, y compris de petites plaques de glace pas plus grandes que des pièces d'un centime, mais tout de même assez pour que les astronautes puissent abreuver ou l'utiliser pour le carburant de leur fusée. La majorité de l'eau pourrait être stockée dans du verre ou quelque part entre des grains de la surface lunaire. Selon une théorie, une énorme partie de la surface de la Lune pourrait être en mesure de stocker de l'eau. Mais il semble impossible de le prouver tant que personne ne s'y rend physiquement ou tant que l'on n'envoie pas de rover qui creuserait sous la surface. La Lune n'est pas entièrement blanche, ni dépourvue de couleurs. Les astronautes d'Apollo qui ont atterri en 1969, on dit que la Lune était un peu brunâtre. Des études ultérieures ont montré que certaines zones lunaires sombres présentaient des nuances de brun et de bleu. Nous sommes en 2065 et tu te tiens sur la surface poussiéreuse de la Lune, travaillant sur la dernière rangée de panneaux solaires qui aidera à alimenter le réseau énergétique de la ville. Soudain, la surface se met à trembler. Est-ce un tremblement de Lune ? Où est-ce que ces adolescents lunatiques font encore la fête à la mairie? Tu lèves les yeux vers la Terre. Tu y es tellement habitué que tu la remarques à peine. Mais là, elle semble différente. Il te faut quelques instants pour comprendre pourquoi. On dirait qu'elle rétrécit. Tu commences à paniquer. La Terre s'éloigne. Le sol gronde à nouveau et tu comprends ce qui se passe. La Terre ne bouge pas. Ce qui bouge, c'est ce sur quoi tu te tiens. La Lune a quitté son orbite et se dirige vers l'espace profond. Destination inconnue. Ce qui est étrange, c'est que cela se passe en ce moment même, et depuis très longtemps. Cela affecte même la longueur de nos journées. Au bout du compte, la Lune s'éloignera complètement, ce qui altérera considérablement les océans de notre planète. Pour explorer ce qui va se passer, revenons un peu en arrière afin de mettre tout ça en perspective. La Lune tourne autour de nous depuis 4,51 milliards d'années. Il existe plusieurs théories sur la façon dont la Lune est née. La principale est qu'elle s'est formée lorsqu'un gros objet s'est écrasé contre la très jeune Terre. Le système solaire primitif était un endroit chaotique. Un certain nombre de corps stellaires ont été créés qui n'ont pas réussi à devenir des planètes à part entière. L'un de ces corps, aussi grand que Mars, s'est écrasé contre la Terre, projetant d'énormes morceaux de la croûte de notre planète dans l'espace. La gravité a fait son travail et a lié ces éléments séparés les uns aux autres. Ceci explique pourquoi la Lune est composée de particules plus légères que celles que nous trouvons ici, sur Terre. Des milliards d'années plus tard, nous sommes plus qu'habitués à avoir la Lune à nos côtés. Elle affecte tellement de choses dans notre vie quotidienne, la plus évidente étant le mouvement des marées. L'attraction gravitationnelle, ou force de marée, que la Lune exerce sur notre planète, crée justement ces marées. Cette force fait que toute l'eau à la surface de la Terre se déplace du côté où la Lune l'attire. Le schéma simplifié est qu'elle se déplace vers l'intérieur depuis le haut et le bas de notre planète, tout en poussant vers l'extérieur depuis les côtés. La Terre a également un effet sur la Lune que nous aborderons dans une minute.
mais il semblerait que la Lune n'apprécie pas notre compagnie autant qu'on pourrait le croire. Elle s'éloigne lentement de nous au moment même où nous parlons. La Lune peut sembler petite ou grande selon le cycle lunaire, mais en réalité, elle fait un peu plus d'un quart ou 27% de la taille de la Terre. Le diamètre de l'orbite de la Lune autour de nous est de près de 768 000 km. Mais ce diamètre augmente de 3,8 cm chaque année. Ce qui, bien sûr, signifie qu'elle s'éloigne d'un facteur de 3,8 cm chaque année. Pour expliquer pourquoi, nous devons analyser notre relation avec la Lune d'un peu plus près. Les deux corps célestes sont en rotation synchrone. Nous sommes synchronisés de telle sorte que nous voyons toujours le même côté de la Lune. L'hémisphère que nous ne voyons jamais est souvent appelée la face sombre, mais ce n'est pas tout à fait exact. Comme la Lune tourne autour de la Terre, différentes parties se trouvent ensoleillées ou dans l'obscurité à des moments différents. Ce changement d'illumination est la Lune qui traverse ces différentes phases. Les forces de marée n'affectent pas seulement nos océans, mais aussi la planète elle-même. La structure de la Terre étant plus rigide que celle de l'eau, les marées sur une matière plus solide comme la croûte terrestre ont un effet beaucoup plus atténué. Les forces de marée sont interdépendantes. Le champ gravitationnel de la Terre applique également des forces de marée sur l'ensemble de la Lune. Encore une fois, comme nous ne parlons pas de fluide, l'effet est très faible, mais il est là. Cet échange de forces est assez complexe. L'intérieur des deux corps est chauffé par ces forces. Tout comme la force appliquée à tout objet peut générer une friction ou sa propre chaleur. Prends la planète Jupiter, par exemple, et sa lune Io. Les forces de marée de la planète géante sont si énormes que la surface d'Io, qui est solide, se soulève et s'abaisse de plusieurs centaines de mètres à chaque période de rotation. La chaleur générée signifie que l'intérieur d'Io est très probablement en fusion. Par conséquent, la surface d'Io est couverte de volcans actifs. C'est l'un des endroits les plus géologiquement instables de notre système solaire. Malgré sa chaleur, ce n'est certainement pas l'endroit où emmener la famille pour des vacances à la plage. Retour sur Terre. Notre planète tourne sur son axe une fois toutes les 24 heures. Et la Lune effectue une révolution autour de nous en 27,3 jours. Le renflement de la Terre accélère en fait le mouvement de la Lune. La Terre tire cette dernière en avant sur son orbite. En d'autres termes, le renflement de la Terre augmente le rayon de l'orbite de la Lune autour de nous. Pendant ce temps, la Lune tire la Terre en arrière, ce qui ralentit sa vitesse de rotation, mais juste d'une fraction, une toute petite fraction. Cela signifie que dans 100 ans, un jour sur Terre sera plus long de 2 millisecondes qu'aujourd'hui. L'équivalent d'un clignement d'yeux. De plus, comme la Terre est plus grande, la force de gravitation est plus forte, ce qui fait que la Lune accélère lentement. Au fil du temps, son orbite deviendra de plus en plus grande. Cela nous ramène à cette fameuse mesure de 3,8 cm. Cela peut sembler peu, mais sur une longue période de temps, ça devient significatif. Faisons un bond en avant dans des milliards d'années, où nous pouvons voir que l'orbite de la Lune est si grande qu'elle quitte notre plaisante compagnie, de façon permanente. Qu'arrive-t-il alors à nos océans? Tu l'as déjà deviné, les marées vont cesser d'exister. Cela donnera des mers très calmes pour toutes les sorties en bateau. Enfin, s'il reste des humains dans, allez, 50 milliards d'années. Avant cela, à cause de la rotation synchrone qui ralentit la vitesse de rotation de la Terre, il est possible que la Terre ralentisse suffisamment pour faire face à la Lune de façon permanente. En retour, cela pourrait empêcher la Lune de s'éloigner de nous. Imagine l'effet sur notre planète si nous arrêtions de tourner. Une moitié sera toujours dans l'obscurité, l'autre dans la lumière. Cela perturbera nos saisons et la vie naturelle. Bien que cela semble dramatique et que la perte des marées soit un phénomène important, il y a d'autres choses plus sérieuses à craindre qui se produiront avant. Dans un dixième de ce temps, soit 5 milliards d'années, notre Soleil aura probablement consumé la Lune et la Terre. Oui, notre Soleil va organiser une fête d'échelle galactique comme notre système solaire n'en a jamais vu. Et tout le monde est invité.
le Soleil brûle continuellement l'hydrogène de son noyau pour le transformer en hélium. En ce moment, il est à peu près à la moitié de son cycle de vie. Vers la fin, il n'aura plus d'hydrogène dans son noyau. Le Soleil finira par devenir une géante rouge. Selon les prévisions, sa surface atteindra Mars. C'est alors que les forces gravitationnelles prendront le dessus. La Terre sera entraînée dans ce nouveau Soleil et se désintégrera. Le Soleil deviendra 10% plus lumineux tous les milliards d'années. Donc, bien avant que la planète ne soit totalement détruite, la chaleur aura fait fondre toute la glace et fait frire presque tout ce qui vit. Tous nos océans se seront également asséchés. Donc, quoique la planète ait encore une espérance de vie de 5 milliards d'années, tout ce qui vit dessus n'en a peut-être que pour 1 milliard. Pour résumer, la Lune peut s'éloigner de la Terre, mais le Soleil aura anéanti les deux bien avant que les marées ne se soient arrêtées. Éloignons-nous de ce sujet brûlant et revenons à la relation fraternelle entre la Lune et la Terre. Le fait que la Lune ait la même période de rotation que la période orbitale de la Terre et de la Lune n'est pas une coïncidence. Pendant des milliards d'années, le couplage des marées des deux corps célestes a conduit à la synchronisation que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, elle continue d'évoluer. La Terre est en train de ralentir sa période de rotation. Un jour, elle correspondra à celle de la Lune et elles seront identiques. Et comme nous l'avons déjà mentionné, les jours sur Terre s'allongeront aussi. De 2 millisecondes par siècle. Pour avoir un impact significatif, il faudra plusieurs milliers d'années. Quoi qu'il en soit, il est rassurant de penser que la Terre et la Lune s'influencent mutuellement de plusieurs façons puissantes et bénéfiques. C'est presque comme si elles traînaient simplement ensemble, comme deux vieilles copines galactiques.